Gros ours endormi. Gros ours grincheux a très en retard cette année. La première neige est déjà tombée et il est temps d'hiberner. Il dévale la montagne et traverse le bois, sans même remarquer le renard sournois. Quand il arrive à sa grotte douillette, il voit un beau goupil. Tiens, tiens, ce dernier l'attendra-t-il? Bonjour, dit Renard. Je trouve ta grotte bien petite. Un ours aussi grand et magnifique que toi mérite mieux. Tu as besoin de place pour hiberner. Il te faut un logement plus spacieux. Un logement plus spacieux? Répète Gros ours. Tu trouves donc que je suis à l'étroit? Il est vrai que cette grotte est devenue trop petite pour moi. Eh bien, c'est ton jour de chance, s'écrie Renard. Je connais le parfait logis. Fais tes bagages, je t'accompagne. Je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Gros ours prend sa petite valise et quitte son doux foyer. Il se met à la recherche d'un nouvel endroit où habiter. Oublie ta vieille grotte, dit Renard. Pour hiberner, celle-ci est idéale. Tu auras bien plus de place et deux portes monumentales. Tu seras toujours à l'abri de la neige et de la pluie. Et chaque jour, à 14h20, vroom, tu verras passer un train. Renard sourit nerveusement. Gros ours secoue la tête. Je tombe de sommeil, dit-il. Je retourne à ma maison douillette. Ta grotte est si petite, proteste Renard, et tu es un gars costaud. Il te faut absolument une grotte avec un plafond. Très haut! Celle-ci est en bois massif et pas un seul train en vue. La chauve-souris ne te dérangeront pas, j'en suis convaincue. Renard sourit nerveusement. Gros ours secoue la tête. Je tombe de sommeil, dit-elle. Je retourne à ma maison douillette. Je connais une autre grotte, s'exclame Renard, si celle-ci ne te plaît pas vraiment. Elle a un sol sablonneux et une magnifique vue sur l'océan. Je la prends, dit Gros ours. Elle fait mon affaire. Il sort son oreiller favori et se blottit par terre. Mais, au moment où il s'endort, dans son nouveau foyer, il entend un drôle de bruit. Flèche, flèche. C'est la marée! Gros ours est mouillé, grincheux et il tombe d'épuisement. Il refait sa valise. Je rentre chez moi, dit-il en soupirant. Malheureusement, quand il arrive à son ancienne grotte, il découvre que Renard a emménagé avec ses amis. « S'il te plaît, ne nous mets pas à la porte, » dit ce dernier. « Tu ne remarqueras même pas que nous sommes ici. »« Eh bien, c'est votre jour de chance, » dit Gros ours en se couchant. « Réveillez-moi quand ce sera le printemps. D'ici là, vous aurez réalisé votre erreur. » Car je suis un affreux ronfleur.